Et il meurt pas, le coq? Putain, ils sont invincibles, mes coqs. C'est fou, ça. La poule, par contre, elle a pas été invincible, elle. Alors, soit mes coqs sont invincibles, soit j'ai super mal visé. Bon, là, on est là. Oh, mais comme ils sont tous agglutinés, en fait. Mais c'est rien, mes poulettes. Alors... Vous avez déjà entendu parler des rillettes de poulet? Non? Allez, celui-là. Là. Oui, ça par contre c'est un irritant. Quand vous mettez 3 quarts d'heure pour foutre une bûche... On va scier du bois les gars. C'est parti, on va scier du bois. J'ai dit scier, hein. Voilà. En cas vous avez mal compris. En même temps on va chier du bois. Attention aux échardes. Je pense que... Non, je dirais rien de plus, mais bon. Oui, et là j'ai eu peur de foutre un coup au taureau. Regardez-moi ça. Eh ben, c'est qui? C'est qui? Marguerite Seb. Et mon petit Seb, t'es dans tous les bons coups. Ah ouais, t'es déjà gros. Regardez, c'est magnifique. En plus, je viens de m'apercevoir. Désolé, mon Seb. Hein. Quand j'ai dit t'es déjà gros, je parlais du style engrossé hein, par le taureau. J'allais dire ça, c'est déjà pas de chance. Mais je voulais rien dire de plus, bien entendu. Tu es hyper svelte, mon ami. Enfin, c'est toi qui le dis. Hein. Après, moi, j'en sais rien. Oh, c'est horrible. J'espère qu'il verra jamais cet épisode. Sinon, je suis mort. Je suis mort. Des gros bisous, mon Seb, si jamais tu regardes cette vidéo. Alors, bien. Mais en tout cas, je suis heureux parce que mon petit Seb est prêt à véler. Et il faudra qu'il me dise si ça fait mal, le taureau, hein, du coup. Ça a été hyper rapide, hein. Il va y avoir un prochain épisode. Donc, on verra la naissance du petit veau de Seb. On fera... Salut les amis, c'est Frawolf et bienvenue dans l'épisode 16 de Ranch Sim. Il est 9h du matin, et comme vous le voyez, il flotte, il pleut toujours. Il pleut toujours quand je suis sur Ranch Sim. C'est énorme. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Je vous ai dit que de temps en temps, on ferait un peu de Ranch Sim lorsqu'il y aurait des nouveautés. Là, il n'y a pas eu de gros ajouts de nouveautés par rapport à la dernière fois. Si ce n'est que maintenant, on peut s'acheter des taureaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vais acheter un taureau tout à l'heure. Par contre, à cette occasion... Je vais vous montrer, vous voyez ici, les petites barrières en bleu, bah oui, c'est que on le voit là, voilà, attendez, on le verra mieux ici d'ailleurs, voilà, l'enclos de mes 3 vaches jusqu'à présent, et on va agrandir fortement l'enclos, des petites barrières en bleu, parce qu'il me manque encore un peu de bois pour pouvoir finir cet enclos, dès qu'il va être fini, on va y mettre le taureau, comme je pense qu'ils vont faire des petits, ah, ça va forniquer à tout va, j'en suis sûr. Comme ils vont nous faire des petits veaux, c'est fort probable, bah on va leur laisser un peu plus de place. Hein, j'aime pas avoir des animaux dans un endroit trop étroit. Bon, j'ai inclus ici un arbre, histoire qu'elles aient quand même quelque chose à l'intérieur. J'aime bien, ça fait stylé. Et puis ici, je vais vous montrer, donc on a nos petits cochons. Donc ils avaient fait des petits, hein, qui sont là. Et regardez-moi ces monstres. Franchement, on ne s'est pas fichu de vous. Nos deux jeunes cochons qui ont fait des petits bah, sont devenus deux gros, gras et vieux cochons. Et qui vont devoir passer à la casserole bientôt. Ça va être une boucherie. Hein, ah non, ça sera une charcuterie. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça sera pour cette fois. Je veux qu'on achète un camion. Oui, j'ai toujours le sapin de Noël hein, qui est là. Bah oui, désolé, je ne l'ai pas viré. Je ne sais pas si on peut, d'ailleurs, on doit pouvoir le détruire, je pense. Je veux qu'on s'achète un camion. Je veux qu'on achète le taureau, j'en veux des choses. Et je veux surtout faire un massacre. Parce que vous voyez ici, je suis désolé, âme sensible, s'abstenir, reculer de 3 pas. Mais, ah ben regardez, et allez, et ça y va. Elle me nargue. Bon, bah c'était le coup de grâce. Il y a trop de coqs en fait, vous voyez des coqs, il y en a de partout. Et ça, clairement, c'est plus possible. Alors, on va faire un génocide de coqs, si j'y arrive. Je voudrais pas toucher les poules là.
Merde, j'ai raté lui. Ça peut être facile parce que faut que j'arrive à tuer un coq sans tuer les poules. Je sais pas si je suis arrivé. L'impression qu'il y en ait un là. Ah, j'ai plus de balles. Faut que je recharge. Bon, normalement, j'ai dû tuer quelques coqs. Cela, je suis sûr. Bon, déjà, ça me permettra de... Regardez-moi ça. Je vous signale que j'ai tout nettoyé avant de faire la vidéo. C'est un merdier pas possible. Du caca, du caca, du caca. Il y en a partout, du caca. Bon. Allez, à mon avis, j'ai pas tué que des coqs. Alors, attendez. Ah, mais si, regardez. Hop, j'allais dire, on va faire le tri, mais il y en a un là. Et il meurt pas, le coq? Putain, ils sont invincibles, mes coqs. C'est fou, ça. La poule, par contre, elle n'a pas été invincible, elle. Alors, soit mes coqs sont invincibles, soit j'ai super mal visé. Bon, là, on est là. Mais comme ils sont tous agglutinés, en fait, et toute la basse-cour est là, je pense qu'en fait, ça tire pas forcément sur le premier. Parce que vous voyez, ça le tue pas, lui. C'est énorme, ça, quand même. Alors, attendez. On va étriper, déjà, ce qui peut l'être. Voilà, toi, viens là. On va te mettre là. Toc. Ensuite. Hop, toi, on fait ça. Bon, il faut que j'attende qu'il se barre, je crois, parce que là... Là, c'est pas possible. Il y a trop de monde. Ah, ben voilà, il y en a un, là, que j'avais eu, quand même, aussi. Voilà, ça, c'est bon. En plus, regardez, il est bien droit. C'est parfait, ça. Bon, ben, on va attendre un petit peu que les autres se barrent. Ah, ben, regardez. Là, ça revient à la normale, un peu. On va peut-être pouvoir continuer le génocide. Non, mais ça tue pas le coq. Si, il est mort, là. J'arrive pas à voir. Ah si, c'est bon, j'ai vu le coq. Là aussi. Ouais, il y en a quand même moins qu'avant, des coqs. Hein. Bon, on va aller ramasser tout ça. Parce que, bon, ça fait pas terrible, comme ça. Regardez ça, on dirait qu'il fait nuit, tellement il fait beau. Bien, je suis allé chercher la petite glacière. Parce qu'il va falloir quand même... On va pas laisser ça comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, on va le mettre là. Est-ce qu'il y en a d'autres à ramasser là dans l'eau là? Oui, j'ai l'impression qu'il y en a un. Il y a trop de monde là. Ah, mais je peux pas l'écorcher tellement ils sont dessus. Ah! Ça y est, je l'ai pris celui-là. Ah merde. Et ils reviennent tous se mettre là. Hein. Merde! Il est disparu! C'est volatilisé. Voilà, je te laisse une chance de t'en sortir. Ouais, sur une. Alors... Ah, je sais, c'est terrible de commencer un épisode comme ça. Vous avez bien vu, il cherchait à s'évader. J'y suis pour rien. On est d'accord. On va recharger. Et bah, il m'en faut 5 pour remplir la... Voilà. Pour aujourd'hui, c'est bon. Mais c'est rien, mes poulettes. Alors... Vous avez déjà entendu parler des rillettes de poulet? Non? Hop! Voilà. Ah ben, on est à la ferme, hein, que voulez-vous? On est au ranch. Et il m'attaque. 11 sur 12... Allez, voilà.
Donc ça, c'est bon. On a nos rillettes de poulet qui sont là. voilà, je vais les amener là. Ça, par contre, c'est vide. Ah, mais j'en avais une autre ici encore. Oh, mais j'en ai plein en fait des. Donc ici, on doit avoir des produits finis. Ouais, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Hop, prends ça, mon petit. Voilà. Ah non, je suis obligé de le. Ah ouais, faut que je pose ça là. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai perdu l'habitude. Alors, on va prendre les produits, on va les mettre là-dedans. Ah, j'en ai peut-être pas assez pour faire une gamelle pleine là. Hop. Parce que lui là, il est pas fini. Ah si, il est fini, il est à 100% aussi. Voilà, mais ça m'en fait que 6 sur 12, donc c'est pas suffisant. On va le ranger là. Hop. Celui-là, on a dit qu'il était. Ah ouais, non, 11 sur 12, ouais, je pouvais en prendre un autre en fait. Je pouvais en prendre un autre. 14h40, on dirait que c'est la nuit, quoi, vraiment. Bon, toi, je vais te mettre là, tu vas servir prochainement. J'en avais pas d'autres de mort là? Ah bah si, voilà. Se cacher celui-là. Voilà. Un beau poulet bien frais. C'est du poulet fermier, ça, messieurs, dames. Voilà, on va le mettre là parce que là, j'ai des équipements, mais qui étaient des équipements manuels. Et je veux qu'on s'achète des équipements dignes de ce nom. Où est-ce que j'ai foutu mon rover, moi? Je crois qu'il est là-bas derrière. On va s'acheter des hachoirs électriques et on va aller aussi s'acheter le taureau. Voilà. C'est parti mon kiki. On va mettre les lumières parce qu'il fait pas très beau. Et on est parti. Bien, on se retrouve devant le General Store. Alors, on va faire nos petites emplettes. Bonjour madame. Je voudrais acheter un bœuf. Ah, c'est pas courant, hein. Alors, je veux acheter le poussoir à saucisse électrique. Je veux acheter le hachoir à viande électrique. La moisissure, il m'en faut plein. Ah, j'ai oublié de prendre un. Mince. J'ai oublié de prendre une glacière. Oh, quoi qu'à la limite, je pourrais en racheter une. Hein. J'ai plein d'argent. On va acheter une glacière. La moisissure. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6. On va en prendre 6. Et je veux acheter un taureau de race laitière. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur de taureau? Moi, je l'aime bien comme ça, moi. Voilà, taureau de vache laitière. De race laitière. Oui, un taureau de vache laitière aussi, hein, d'ailleurs, pourquoi pas. Voilà, ils sont venus, ils sont tous là. Le chariot, j'en ai pour 4 700. J'ai dépensé sans compter. J'ai bien mon taureau, ma moisissure, ma glacière, mon poussoir à saucisse électrique et mon hachoir à viande électrique. Donc, je ne sais absolument pas comment ils fonctionnent pour l'instant. Je suis à l'aise avec les manuels, mais pas avec les électriques, puisque je n'en ai jamais eu. Mais je suppute que ça doit être logiquement, si on est logique, moins compliqué à utiliser. Ah, c'est que j'ai la vache qui se barre. Enfin, le taureau. Tu m'emmerdes, mon petit Maurice. Il va falloir que je lui trouve un nom en plus à ce taureau. Alors, ah ben viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là, viens là, viens là, viens par là. Allez, il faut te faire grimper là-dedans maintenant. E pour transporter l'animal. Voilà, on a transporté la bête. Alors maintenant, je sais pas si je vais arriver à tout rentrer d'ailleurs. Hein. On va voir ça. Hop, on va déjà, il faut toute la moisissure ici. Voilà. Il fait toujours un temps dégueulasse. Hein. Alors, en plus, là, il va faire nuit. Super. Ça va être beau à voir ça en vidéo. Bon, j'ai que ça en moisissure. J'ai pas. Combien j'en ai dedans? Ouais, 6, c'est ça. J'avais pas l'impression que. Est-ce que je peux. Ah ouais, tu me gênes un peu là, Maurice. Ah, super, je peux pas mettre ça là. Est-ce que je peux le glisser quelque part là? Il faudrait que tu me laisses passer, Maurice. Ah ouais, là, comme ça, je vais peut-être pouvoir. On peut même peut-être le tourner comme ça. Regarde. Hop, voilà. Si je pouvais choper le reste d'ici, génial. Oh, me dis pas que ça rentre pas là. C'est pas possible ça. Voilà.
Et on va essayer de rester en hauteur, choper le dernier. Ah ouais, je m'en doutais. C'était trop beau. Et on pourrait le mettre par-dessus, non? Peut-être, ça serait bien, ça. Génial. Bon, ben, on a tout eu, hein. Bon, comme il fait un peu nuit, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au ranch et qu'on fasse le déchargement de jour. Bien, on se retrouve le matin, les amis. Alors, regardez ça, il neige. J'y crois pas. Mais moi, j'ai mis ma tenue d'été, là. Je suis en t-shirt, le chapeau, tout. Ah, mes poules, au fait, elles sont... Oh, ben heureusement que j'ai des bacs aussi, là. J'avais complètement oublié de rouvrir mes poules, enfin, celles qui restent. Alors, le taureau est là. On va donc essayer de le faire sortir. Il est où, ce taureau? Il a disparu, mon taureau. Putain, il est là-bas, ce con. C'est formidable, ça. Donc, j'ai mon taureau qui s'est barré. E pour gérer. Voilà. Tiens-toi tranquille, petit. Alors, ah ouais, mais non, je voulais le faire rentrer par là. Mais c'est vrai que j'ai pas fini de construire. Tiens, ouais. Bon, t'as les cornes qui sont comme ça, mais sinon... au niveau gabarit, tu ressembles étrangement à mes vaches. Alors, viens par là, mon petit taureau. Il faut trouver un nom à ce taureau. Hein. Absolument. Je compte sur vous. Ah, merde! En tout cas, il fugue. Hein. C'est un taureau fugueur. Alors, en fait, c'est qu'il faut marcher lentement, quoi. Sinon, la corde casse. Il faut que je regarde et que je vérifie que j'ai toujours la corde. Chiant, ce taureau. Donc, on va ouvrir un. Allez, rentre avec moi parce que les autres vont vouloir fuguer. Allez, viens là, petit taureau. Je referme la porte. Et voilà, je te libère. Donc, je vous rappelle qu'on a ici Gertrude Ludo. Qu'on a Cunégonde Rome. Et qu'on a... Marguerite Seb. Voilà. Donc là, il faut trouver un nom pour celui-ci. Je vous laisse voir dans vos commentaires. S'il le faut, j'agrémenterai. Et on a les petites étiquettes qui sont là, de toute façon, pour le nommer. On fera ça quand on aura trouvé. Donc oui, je vais vous agrandir votre espace, les amis. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, on a d'autres choses à gérer. Notamment, il faut que, hop là, je récupère ces ustensiles. Alors ça, normalement, ça sera plutôt pour les porcs. Je suis en train de penser. Donc les porcs, on va s'en occuper ici. Parce que pour les poules, on va garder les hachoirs à main. Hein. Ici, on a de la place. Alors, comment c'est foutu, ça? Donc ça, ça doit être le... C'est le hachoir, ça? Toxic Industry. Ok. Au moins, ça porte bien son nom. Ça met tout de suite en confiance. Et on a ici... Ah non. Je fais des grands mouvements, mais j'arrive pas à grimper sur la bagnole. Non, c'est ça le... Ah, c'est ça le hachoir, plutôt, je pense, non? Et l'autre, ça doit être le poussoir à saucisse, alors, non? Oh, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, en tout cas, les deux ustensiles vont être mis ici. Ouais, ça, c'est le poussoir à saucisses, ce machin. Par contre, du coup, mes saucisses, elles vont sortir de ce côté, non? Non, non, je vois pas de... Bon, on verra. Parce que je les ai mis comme ça, mais... Ah, ça se met pas là, ça. Ah, ben, c'est pratique d'avoir une cuisine si on peut pas le mettre dessus. Oh, c'est nul, ce truc. Je peux pas du tout, là. Ah non, ça veut pas du tout. Ouais, bah, je vais pas te mettre par terre. J'ai une cuisine équipée, moi, c'était pour ça. Hein, on peut le mettre là? Ouais, on va le tourner comme ça. Bon, c'est pas... Ouais, c'est pas top, ça. J'aurais bien aimé que ça se mette là. Bon, du coup, toi, je peux te mettre un peu plus au milieu. Voilà, comme ça. Voilà, du coup j'ai de la place. Bon, on verra comment on fait. Je pense qu'il faut y mettre les casseroles, machin, tout ça. Ouais, ça me plaît moyen, ça. Ça me plaît moyen. À moins qu'on pouvait construire, peut-être, je ne me rappelle plus.
Ça, c'est des fondations. Ça doit être la table. Regardez, on peut mettre une... Hop là! On peut mettre une jolie table. Alors, si je la mets au milieu, mais ça va m'emmerder sans arrêt. Si on la mettait par là. Tac. Bon, faudra que je la construise. Ah, c'est pas ça que je voulais. Faudra que je la construise, hein, bien entendu, après, mais ça pourrait être une idée. Bon, je sais pas si elle va pas plus me gêner qu'autre chose. Ou alors je la mettrai peut-être par là. Bon, je verrai. Mais l'idée, effectivement, je vais pas laisser ça sur la table de la salle à manger, c'est que je fasse une table. Alors là, vous voyez, je vois qu'il y a quelque chose qui vit. Alors, je suis toujours. Voilà, faut que je récupère la maîtrise. Ah non, d'habitude, quand on fait ça. Ah, mais si, il est là. Voilà, il essaie de se carapater. Hop! Voilà, quand on a des œufs qui ont été fécondés, qu'on les garde un petit moment, ben voilà ce qui se passe. Voilà, je te sauve, petit poussin. Si tu fais pas un autre coq, tu pourras vivre un petit moment. Sinon, tu risques de finir comme tes aînés. Bon, il y a moins de monde là? Ouais, il y a encore vachement de monde. Il y a encore vachement de monde. Hein. Vous arrêtez pas de chier partout, hein, c'est pas possible. Bon, finalement, la neige ne sera pas restée là très longtemps. Donc, on a mis notre taureau. Ah, c'est pas possible. Allez, grimpe. Et on l'a mis dans l'enclos. On a mis nos ustensiles. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai ma moisissure que je vais poser par là. Faisons les choses correctement. Comme ça, on sera prêt pour le prochain épisode. On va pouvoir faire pas mal de trucs. Parce que j'ai pas mal de... Ah, mais c'est pas possible. J'ai pas mal de fromage à vendre hein, aussi. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous l'avez peut-être pas remarqué parce que je voulais pas montrer remarqué. Ça fait beaucoup de remarquer ça. Hein. Voilà. Et il me reste un autre. On va le foutre là. Voilà. Que je vous montre, vous voyez, c'est quasiment plein là. Tout ça, c'est plein en fromage. Et là, il y en a la moitié de plein. Donc, il y aura aussi du fromage à vendre. Là, on a nos ustensiles pour quand on ira découper le cochon. Pour l'instant, ce que j'aimerais faire, c'est aller couper un peu de bois pour avoir quelques planches. En plus, on a du pot, il fait beau. Je me rappelle pas si on a vu le soleil dans cet épisode. Alors, un petit sapin, ça devrait faire l'affaire, là. Un ou deux, ça serait pas mal. On se fasse quelques planches, et puis, comme ça, on va pouvoir finir notre clôture. Ah, j'ai du mal à couper du bois et à parler en même temps. Et celui-là, et normalement, avec ça, je pense que ça devrait être bon. Alors comme d'habitude, hein, quand je m'occupe du bois, il est fort probable que vous entendiez ma petite voix de canard en accéléré. C'est souvent un truc que j'aime faire. Alors là, ça ne va pas se mettre dedans, c'est pratique. Hi, hi ho, oh, rentre du boulot. Alors c'est version les sept nains, pas version champ de guerre. Ah, oh, mais c'est pas possible. Alors ce jeu, il est sympa, moi je l'aime bien parce que bon, il a plein de possibilités. Bon, il n'y a pas de quoi faire 20 ans dessus, mais il y a de quoi s'amuser. Mais c'est vrai que niveau ergonomie, on pourrait mieux faire. Quelques petits irritants encore. Et là, le bois qui a failli disparaître au moment où je m'approche de lui. Mais si on veut prendre le temps de l'explorer, bah, ça laisse des possibilités. Bon, ce qui est dommage, c'est que les développeurs vont pas se précipitent pas pour nous faire des nouveautés. C'est-à-dire que les moutons et les chèvres, hein, ça fait plus d'un an qu'on les attend, je crois. Franchement, ils auraient pu faire mieux. Il y en a des gros là, je veux des gros. Ouais, il y a des gros. Des gros, il y a que des gros. Je veux des gros. Alors, toi, mon ami, t'es beau. Voilà. Parfait. Et toi, ah, t'es beau, toi, comme ça. Je vais te laisser. Ça devrait aller avec ça. Tibali-bali-badap. Tibadap. Tibadap. Tibali-bali-badap. Tibadap. Parabalap. Ah oui, on a même donné pas mal. J'ai bien fait de pas abattre le deuxième. Parabalap. 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 Tibali-bali-badap. Parabap. Tadabalap. Allez. Une là.
Oui, ça par contre, c'est un irritant. Quand vous mettez 3 quarts d'heure pour foutre une bûche. Voilà, impeccable. C'est dans la vraie vie, c'est vraiment comme ça que j'aurais fait. Allez, on va scier du bois, les gars. C'est parti, on va scier du bois. J'ai dit scier, hein. Voilà. Au cas où vous avez mal compris. En même temps, on va chier du bois. Attention aux échardes. Je pense que. Non, je dirais rien de plus, mais bon. Pour installer, ben oui, j'ai pas démarré, c'est vrai qu'il faut l'allumer. Ah, c'est une catastrophe, Thérèse. Allez, vas-y. Et puis là, j'ai mes deux petites scies maintenant. On va allumer celle-là. Ah, ben elle a plus d'essence, celle-là. Crénom douille. Est-ce qu'il me reste de l'essence dans le jerrycan? Ben, il est plein, le jerrycan, regardez. Voilà, c'est impeccable, ça. Allez, viens là, toi. On va travailler, les gars, on va faire du bois, ben oui. Voilà, on le remet là. Regardez ça, un petit travail à la chaîne, là. Ça dépote. Ça dépote, ça dépote. Chanter en travaillant, la 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 la. Ah, mon tétou. Voilà des belles petites planches. Avec ça, on va pouvoir faire en sorte que nos vaches et notre taureau aient de la place pour batifoler. Et je sais pas si on verra des petits veaux dans cet épisode. Je sais même pas si c'est possible, là, je vous dirai. Hop, voilà. Bon, je pense qu'avec ça, on devrait y aller. Allez, il flotte. Hein. Pour finir, c'est pas mal. Ouais, il m'en reste deux, je devrais pas en avoir besoin. Allez, hop, où suis-je? Où suis-je? Ah! Laissez-moi passer! Allez, j'allais dire, on va construire ça sous un magnifique soleil. Ah bah, ça sera pas encore pour cette fois. Je sais pas dans quelle région des États-Unis on est, hein, mais il fait pas beau en tout cas. Bien, on va finir notre palissade, les amis. Tac. Ouais, vous voyez, j'en ai fait suffisamment. Voilà. Ici, on va faire quoi? On va ouvrir juste en haut, peut-être. Il y a quelqu'un. Parce que j'ai peur qu'il se coince un peu comme les gorées dans notre grange. Donc on va ouvrir le haut juste pour le fun. Oh putain, j'ai eu peur de péter toute la grange. Ça aurait été pas mal. Oui, et là j'ai eu peur de foutre un coup au taureau. Voilà! Regardez-moi ça si c'est pas beau. Vous avez un grand emplacement maintenant. C'est magnifique. Enfin, peut-être que j'y passe attention. Et regardez! Regardez-moi ça! Eh ben, c'est qui? C'est qui? Marguerite Seb! Et mon petit Seb, t'es dans tous les bons coups. Ah ouais, t'es déjà gros! Regardez, c'est magnifique! Ah! Et en plus, je viens de m'apercevoir. Désolé, mon Seb. Hein. Quand j'ai dit t'es déjà gros, je parlais du style engrossé hein, par le taureau. J'allais dire ça, c'est déjà pas de chance. Mais je voulais rien dire de plus, bien entendu. Tu es hyper svelte, mon ami. Enfin, c'est toi qui le dis, hein. Après, moi, j'en sais rien. Oh, c'est horrible. J'espère qu'il verra jamais cet épisode. Sinon, je suis mort. Je suis mort. Des gros bisous, mon Seb, si jamais tu regardes cette vidéo. Et de toute façon, il me sert souvent de cobaye. Avec l'ami Ludo aussi. Parfois, ils en prennent plein la tête. Alors, bien. Ben, en tout cas, je suis heureux parce que mon petit Seb est prêt à véler. Et il faudra qu'il me dise si ça fait mal, le taureau, hein, du coup. Ben, ça a été hyper rapide, hein. Hein? Qu'est-ce que c'est comme chaud lapin ceux-là. Hein, on les laisse un petit peu, vous voyez, on leur donne un peu plus de liberté, un peu plus d'espace, et paf, aussitôt. Voilà. Bon, je sais pas combien de temps on met hein, pour avoir le petit veau, si c'est rapide ou pas. J'aurais bien aimé le voir pour finir cet épisode. En tout cas, bravo, hein. Franchement, je suis content que ça se finisse comme ça. Je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode, les amis. En plus, il pleut. Dans le prochain épisode, qu'est-ce qu'on fera? Parce que oui, forcément, maintenant, il va y avoir un prochain épisode. Donc, on verra la naissance du petit veau de Seb. On fera nos saucisses des poules que l'on a étripées. Et puis, comme les cochons ont aussi énormément grossi, eh bien, je pense qu'on essaiera aussi d'utiliser
nos nouveaux ustensiles électriques que nous avons achetés, c'est-à-dire le hachoir et le poussoir à saucisse. Et je pense qu'on verra donc tout ça dans le prochain épisode, les amis. Donc attention, prochain épisode, pas une boucherie mais une charcuterie. Âme sensible, s'abstenir. Bien, j'espère que cette petite vidéo de reprise sur Ranch Sim vous aura plu. Si c'est le cas, ben, gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est déjà fait, hein, liker, partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Ranch Sim. Allez, ciao les amis, bye bye.